La cérémonie se poursuit à l'intérieur de l'édifice, alors cathédrale romane. Les vestiges de cette époque sont rares. L'émotion est vive. D'abord, ils sont très jeunes. Elle a 15 ans, il a 16 ans. Et il tombe éperdument amoureux d'elle parce qu'il est face à cette femme magnifique de son âge, ce qui est quand même un plus hein, à l'époque, somptueusement vêtue. Aliénor, elle n'est pas en blond, elle est en rouge, une robe écarlate. Après le sanctum, on met le voile par-dessus les époux qui s'échangent le baiser de paix, ce qui est quand même assez intéressant. Ça veut dire donc qu'on évite la guerre. Car ce mariage est avant tout politique. Un épisode capital dans l'histoire de Bordeaux. En mémoire, au XIXe siècle, on sculpte dans la cathédrale les visages de Louis, futur roi de France, et d'Aliénor, la plus riche héritière du royaume.